Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis contente aujourd'hui parce que il reste aujourd'hui et demain de l'école. Après c'est le week-end de l'Aïd, donc du coup je vais organiser quelque chose pour mes enfants pour les faire kiffer. On hésite avec Laurent, soit oui, un week-end garçon, un week-end fils, c'est-à-dire lui avec ses fils, ou avec Chelsea, soit tous ensemble. On va dire ça pour les putes. En fait finalement j'ai décidé de poster la story comme ça. Parce que je me suis dit, en fait, je vais matrixer à cause des gens. En fait, je vais vous expliquer rapidos. C'est juste que dans tous les couples, il y a les mêmes délires. Je vous jure, hein, c'est pas une blague. Forcément, si vous n'êtes pas une, vous vous sentez pas concerné et vous savez pas ce genre de code qu'elles ont. C'est sale. Mais en gros, elles sont dans ce délire. Genre, le Rima, il est pas avec sa fameuse parce qu'elle est au courant. Elle se prévoit déjà ses plans sur la comète. Genre, elle va pister pour aller le rencontrer ou, vas-y, elle va se dire c'est le moment de DM ou des trucs comme ça. Donc, ça veut dire que, vous imaginez à quel point nous, les femmes mariées, on devient des meufs matricées, c'est-à-dire genre tu veux même pas dire tu vas te faire un week-end entre garçons, un week-end entre fils, ce qui est complètement normal hein, dans toutes les familles. Genre on se dit ça parce que pour ces gens-là. Finalement je me suis arrêtée comme d'hab, et là je me suis dit en fait je vais vous mettre la story. Parce que un c'est drôle, et deux c'est la réalité de la vie en fait.